Depuis quand on se connaît? Ça fait 4 ans, ou 4 ans ou 5 ans. Et du coup, depuis on peut dire qu'on a partagé pas mal de nos imaginaires. Oui. Une fois que je discutais avec toi, en fait, j'avais toujours un retour hyper ciblé par rapport, même si je ne te racontais pas, en parlant de mes projets, d'écriture, de peinture, de acting, de peu importe ce que j'étais en train d'entamer ou j'étais en train de faire progresser, comme un projet perso, c'était toujours, tu faisais un pop-up dans ma tête. Parfois, je disais, il faut que je raconte ça à Irina parce que, mais qu'est-ce qu'elle peut en trouver dessus? En fait, j'avais l'impression que je venais vers toi pour dire, écoute, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? On a pris un petit café dans un bar hyper sympa où tu avais fait un vernissage, où j'avais vu pour la première fois tes œuvres exposées. Et je suis parti avec moi, avec plein de petites notes mentales écrites, en disant, il faut que je regarde ci, il faut que je regarde ça. Donc, toujours très nourrissant, l'échange. Les échanges qu'on a eus, hyper nourrissants, parce que c'est ton inspiration, mon inspiration, et ça part, et ça part, et ça part en spirale comme ça. Et il y a un truc hyper agréable, presque de télépathie. Oui, ça nous est arrivé de faire presque la même chose en même temps. Au même moment, tu te souviens? Au même moment. C'était flippant un peu. Avec les alphabets, avec les lettres, avec la calligraphie, avec… Moi, je pense qu'on est d'une certaine manière connectés. C'est pour ça justement que je t'avais fait, tu te souviens du cadeau du livre que je t'avais fait, The Khazar Dictionary. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette envie justement de t'acheter ce livre pour toi parce que je trouvais, de si peu que j'avais lu sur cette œuvre, je me disais, en fait déjà la narrative dans laquelle il est écrit, moi j'adore, je flippe déjà. Époustouflant, la structure de dictionnaire, un dictionnaire, mais trois dictionnaires en un. Exactement, en touchant pas mal de parties de l'être humain. Non, tu touches la religion, tu touches les êtres humains, tu touches le monde de l'imaginaire, tu touches l'anthropologie, tu touches… Et je trouvais ça magnifique, je ne sais pas pourquoi. C'est qu'une fois que je parlais où je pensais à Dream Hunters, les chercheurs de rêve ou les chasseurs de rêve. Les chasseurs de rêve. Et je pensais à toi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je te voyais d'une certaine manière comme la princesse athée, peut-être dans mon imaginaire aussi, avec tes cheveux bouclés et puis en train de te faire… de l'ENA sur les vents, et puis bon, bref, je sais pas. Et puis, c'est là où j'ai dit, je crois que Myrna, il faut que lise absolument ce livre. On va continuer d'ailleurs le lire, ça me fait penser, on va continuer de le lire, parce que, en fait, c'est ça aussi qui nous a rejoints, et c'est aussi pour ça que moi, j'avais envie de parler avec toi dans ce dialogue intérieur. C'est que quand je discute avec toi, de la manière qu'on est en train de le faire, j'ai l'impression qu'on est en train, on est dans un jeu, chacun est dans son jeu, toi tu es dans ton jeu, je suis dans mon jeu, et on fait circuler les jeux, on se rend compte qu'en fait, ils sont peut-être reliés les jeux, et on est comme des joueurs en essayant de comprendre la règle du jeu, et en fait on a tous les deux compris qu'il y avait un jeu, on a tous les deux compris qu'il y avait une règle du jeu, à la différence d'autres gens, on a l'impression que les gens n'ont peut-être pas compris, ils ne voient pas le monde comme un jeu, et c'est peut-être ça qui nous rejoint, et qui a fait tout de suite, on a cette attitude face à la vie. Tu vois, cette attitude hyper entière, en fait. Oui, exactement. Chercheur. Oui. Et c'est surtout ça, cette envie de ce besoin de vouloir creuser sur quelque chose qui est peut-être au départ, tu te dis, bon, il y a un truc, mais bon, c'est pas clairement écrit. Ouais. Mais moi, c'est justement ce qui me donne envie de faire, de creuser. Je veux dire, bon, il y a très peu de gens qui peut-être ils ont fait ça. Ben moi, je vais le faire. Et je vais jouer le jeu et je vais creuser pour Ouais, donc tu es face à un jeu. Mais ce qui nous rejoint aussi, c'est qu'on est face à un mystère et nous, ça ne nous bloque pas. Quand on est face à un mystère, un truc inconnu, on va pas dire, on va pas avoir peur, on va pas se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est compliqué, on n'y va pas. En fait, on est attiré par ça un peu. Je pense que c'est peut-être ça qui nous rejoint. On est attiré par un truc mystérieux qu'on a envie de pas craquer le système, on a envie d'aller explorer. Juste pour expliquer, c'est que tu m'as offert ce livre et on s'est dit, tu m'as proposé, qu'on s'est proposé, je ne sais plus comment ça passait, qu'on se fasse des rendez-vous, bon, qui n'ont pas, pour l'instant il y en a d'autres, il faudra les refaire, enfin chaque chose en son temps. On s'est dit, ok, on le lit chacun de notre côté et on partage un peu où on en est, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, il a la particularité qui nous ressemble de ne pas être linéaire. On dirait que ce livre, c'est presque un avatar de nous-mêmes. Il n'est pas linéaire, c'est un dictionnaire, il y a trois dictionnaires en un, il y a plein de liens qui se font.
de manière non linéaire, en parallèle. Et on s'est dit, vas-y, tu le lis, je vais de mon côté, on se dit ce qu'on lit, on voit ce que ça fait résonner. Et parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et toi, en t'écoutant le lire, je vais comprendre. En fait, on est dans cette espèce de… C'est presque un jeu de pistes que tu m'avais proposé. Oui, exactement. C'est un grand puzzle où, voilà, moi, je trouve une pièce. Et puis, bah, moi, je trouvais très, très, très bonne idée de, justement de pouvoir… je l'avais commencé il y a pas mal d'années, je l'avais acheté quand j'étais à Madrid, donc pour te dire, ça fait plus de 8 ans que je l'ai dans mon pouvoir. Et puis, je l'avais commencé, bon, j'avais lâché, et puis je savais que déjà il y avait un petit bijou dedans, ouais. Mais je n'arrivais pas à creuser si bien justement pour pouvoir trouver le plaisir de dire bon, maintenant je m'en donne. Et voilà, et puis je vais me dédier à ça. Et puis le fait de pouvoir partager avec toi, que toi tu nous révèles tes parties, parce qu'on ne lisait pas non plus. Moi je pense que toi tu avais commencé personnage par personnage, je crois, ouais, dans les trois continents différents. Et moi j'avais décidé de finir dictionnaire par dictionnaire, toujours en sevant quels personnages ils étaient dans les autres dictionnaires aussi, dans les autres histoires, les autres religions. Et puis c'était hyper sympa, justement. Moi j'avais ton aide et toi tu avais mon aide justement pour éclairer un petit peu plus et lancer aussi le besoin de continuer à lire. Attends, Armando, juste un truc, ça bouge beaucoup, c'est pas hyper gênant, mais ça bouge beaucoup. C'est la table. Je vais aller chercher ce dictionnaire parce que je vais juste faire un petit plan pour le montrer. Attends, Écoute, je vais faire la même chose. Voilà le cadeau. Bien. C'est parti. Et donc, tu me l'as offert en français. Ah oui, parce qu'il y a ça. Tu me l'as offert en français. Oui, exactement. Mais j'ai du mal, hein, parce que pour c'est le trouver déjà. C'est ça aussi pour ça que je voulais te faire parler, c'est que tu parles extraordinairement bien français, Armando, et tu n'es pas français. Tu es. Je suis espagnol. Oui, está español, soy francés. Soy espagnol. Donc, oui, tu me l'as donné en français. C'est ça, la force du truc, la force de l'expérience, c'est que tu me l'as donné en français. Toi, tu l'as en espagnol. À l'origine, c'est écrit en serbo-croate, en croate. Exactement. Et c'est un dictionnaire, donc il y a des articles. En plus, il y a 3 dictionnaires dans un, c'est extraordinaire. On doit dire aussi qu'il y a une version masculine et une version féminine. Pardon. En plus. Et jusqu'au moment, moi, je n'ai pas trouvé la différence. Et oui, notre quête, notre jeu, c'était elle de. Elle est là, exactement. Tu te souviens, on avait vu qu'il y avait une image qui n'avait pas lieu, qui n'était pas dans la tienne, le pistolet. Je crois que c'était une image qui était. Ah oui, c'est vrai. On avait traqué un peu, mais on n'avait pas réussi à tout voir. Il y avait une image manquante chez toi, moi, je l'avais. Ouais. Bah, toi, tu l'as, et moi, je ne l'ai pas. C'est dans le dictionnaire, dans le livre jaune, dans mon cas. Dans le livre jaune, ouais, mais je pense que c'est ça, on a traqué ça. Non, je ne l'ai pas, je te dis, je ne l'ai pas. Donc, imagine, moi j'ai la version féminine, toi tu as la version masculine, tu as la version en espagnol, j'ai la version en français, c'est génial. Et donc ça, pour moi, tu vois, ça c'est aussi un exemple de notre relation amicale, on est des joueurs, on est dans un labyrinthe chacun, et en fait, pas que dans ce livre, Armando, tu es dans la vie, aussi dans un labyrinthe au bon sens du terme. Tu es en train de traquer des choses, d'essayer des choses, parce que c'est aussi ton artiste en toi qui est comme ça. En fait, tu es un artiste de la vie, tu es un expérimentateur. Oui, c'est un peu. Mes envies créatives sont assez vastes et compliquées parfois, on peut dire. Après, c'est complexe, très. Complexe. Voilà. Mais j'aime pas trop le terme complexe. Non plus. Parfois, ça donne un. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais parfois complexe. Pour moi, le poids que le mot a dans ma tête. Ouais. Je pense à complexe, je pense à difficile parfois. Ah oui, je vois. C'est pas difficile. Non. À la fin, c'est très facile, mais il faut que tu trouves en fait la moyenne de pouvoir connecter tout pour que tu ailles toujours et que tu trouves toujours ta source. Moi, je peux écrire une chanson et puis ça peut se transformer dans une histoire pour écrire un roman. Je peux faire un dessin que tout de suite il y a un petit coin du dessin que ça m'inspire pour justement créer une chanson où je peux créer quelque chose. Ce dessin, ça peut me donner envie d'essayer de le récréer en 3D, même si c'est quelque chose que j'ai vu ou que j'ai créé dans l'imagination, que j'ai dans la tête. Et puis on peut jouer dedans, voilà, en parlant d'acting, en parlant de jeu de comédien, et puis on peut plonger dedans dans les histoires, dans les chansons, dans
même s'il n'y a pas de mots, qu'avec les mélodies, on peut faire plein, tellement de choses. Que, voilà, il y a toujours un lien, il y a toujours une source, il y a toujours la pierre philosophale, qu'on peut dire. Voilà, c'est ta Bible à toi. Voilà, d'où ça sort cette énergie qui te dit maintenant, bon, je vais chanter, maintenant je vais danser. Ça, c'est pour m'inspirer pour faire d'autres choses. Je peux décorer, pendre une bouteille, créer, je sais pas, j'ai envie de parler d'une bouteille d'eau que j'ai en face à moi. Et puis, peu importe l'élément que tu veux prendre pour l'extrapoler de cette réalité, que parfois est tellement boring, tu dis, bon, j'ai envie de recréer ça à ma manière. Et c'est de là, je pense que c'est la source de Et tu es en transversal aussi, parce que c'est ça en fait, c'est toujours en transversal, tu fais un pont entre un truc, il n'y a pas de cloison en fait dans ta vision artistique et même de la vie, puisque toi-même tu es polyglotte, tu vas d'une langue à l'autre hyper facilement, tu es comédien, tu vas d'un personnage à l'autre facilement, là tu fais de la musique et tu vas le mettre dans un texte et tu vas le mettre finalement dans la construction d'une sculpture. Et ça, c'est à la fois ta manière de vivre, de respirer, d'avoir des métiers, d'être dans la vie. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose du jeu. Vraiment dans tous les aspects. Oui, exactement. Moi, quand j'étais petit, j'ai pas mal cherché dans ma vie justement le métier qui pouvait me correspondre. Et puis, en passant déjà presque 2 ans de ma vie à l'université de chimie, où j'étais habillé en blanc dans des endroits aseptiques, en train de mélanger des trucs, machin. Pour moi, c'était un puzzle, ça, c'était un vrai puzzle avec des règles à suivre. Je n'ai jamais voulu suivre des règles. Donc, moi, je voulais pas inventer les règles. Exactement. Je voulais pas inventer des règles non plus. Il faut en suivre, bien sûr. Mais je me disais toujours, je pourrais pas faire ce métier si chimiste, parce que t'arrivais pas au début, ça, chimiste. À justement pouvoir expérimenter avec les éléments et avec les molécules et avec les mathématiques et avec tout ce qui est dedans pour justement avoir du fin dans ma vie. De dire maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne. On va mélanger. C'était trop aride ce début en chimie comme ça. C'était un peu dur à la fin. Après parce que j'avais commencé à faire les études à l'école d'art dramatique et puis en fait c'était un peu trop chargé et puis de toute façon j'avais trouvé un peu ma voie. Je m'avais dit bon je vais essayer. Je crois qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui me pousse à moi qui me dit il faut que tu essayes parce que bref, j'avais jamais fait du théâtre, j'avais jamais fait du chant, j'avais jamais fait de la danse, j'avais rien. J'avais un peu. C'était une voix intérieure. Pardon ? C'était une voix intérieure. C'était quelque chose de très fort, hein. De très fort et très. Pour te dire que j'avais caché tout ça à mes parents. Et j'ai fait les épreuves de l'école sans leur dire. Et puis je voulais être sûr d'avoir ma place déjà. Pour venir, pour lui dire, bon, voilà, papa, maman, je suis pris. Voilà, c'est quelque chose que je vais expérimenter. Et puis, au fur et à mesure, c'était un coup de réalité. Hein. Dans les 3 premiers mois de formation, avant Noël 2000, je m'en souviens même pas, j'ai eu justement la révélation où je me suis dit, en fait, tu as toujours voulu faire plein de choses. Je crois qu'ici, je peux en faire pas mal quand même. Bon, je peux jouer et creuser un jour. Tu as choisi quelque chose qui te permettait d'honorer cette pluralité. Exactement. Avec ce petit choix de vie qui était assez, là je veux dire compliqué. Ok, c'était compliqué à l'époque. Là je veux dire complexe et compliqué. Exactement. C'était pas facile. Et en laissant plein de choses à côté, faisais, je me suis concentré sur ça et en fait c'était le noyau de quelque chose qui se multiplie à la base avec voilà les formes, les couleurs, les voix, les chants, les pantomimes, esgrimes. le métier de comédien t'a permis de faire toute une palette, c'est ça? Exactement, de dire maintenant ben voilà, je peux choisir, je peux expérimenter, je peux faire, je veux essayer en fait de moi-même. Je veux pas que personne me dise en fait tu mélanges A plus B, ça va te donner si, après si virgule, tu le mélanges avec. Oui, en fait j'avais envie de le voir, quoi, de moi, de le sentir. En incarnation. Ouais, très bien dit. Ouais, d'être plein dedans. T'étais dans ce jeu, en train d'expérimenter dans le jeu et de vivre toutes ces vies. Exactement. Toujours en étant toi. Ouais. Parce que je lisais un petit passage de Fernando Pessoa hier soir. Ouais.
Incroyable écrivain, inventeur des hétéronymes. Et bon, tu connais un peu ma attirance par Fernando Pessoa, ok, on en parlait pas mal. Mais bon, j'ai entamé un autre bouquin, et puis je pense souvent dernièrement aux hétéronymes. Hein. Genre, ces présences que quelqu'un peut avoir en soi, et qui lui permet justement, depuis pas son être, mais depuis notre point de vue, écrire de sa propre main quelque chose à qui il faut qu'il signe avec son nom. Et Explique-nous, s'il te plaît, explique-nous pour ceux qui ne se seraient pas hétéronymes. hétéronyme, c'est une sorte de pouvoir s'exprimer depuis un grand personnage que tu as en toi. Une personnalité, un caractère, quelqu'un qui parle depuis toi, qui s'insère de ton corps et de ta tête, justement pour dire, bon, dans le cas de Fernando, c'était l'écriture, mais depuis un point de vue du comédien, et en fait, voilà, ben, c'est un peu la même chose. Oui. Et C'est un autre, hétéro, c'est l'autre, mais en son nom. exactement. Et là, je pensais justement au contraire. J'étais en train de faire un peu l'effet miroir hier soir, avant de m'endormir. Je disais, alors, est-ce qu'on est des hétéronymes ou est-ce qu'on est des homonymes? Parce que ben, ça vient toujours moi, je ne pourrais pas dire quand que c'est je m'en sais, je me sens ailleurs, je n'étais pas conscient. Non, en fait, c'est moi. Je sens toujours que c'est moi. Donc, entouré d'autres circonstances, voilà, en créant un personnage, en incarnant un personnage d'une certaine manière. Un personnage incarné par une autre personne, ça pourrait donner un truc complètement différent. Donc, chaque personne peut faire, avec les mêmes instructions, des choses complètement différentes. Moi, je me sens plus un homonyme de moi-même. Il y a des synonymes, voilà, à moi, et puis tous me ressemblent, et puis c'est moi en même temps, et puis c'est différent. Parce que je peux trouver une source de personnalité dans ce que je fais, mais parfois, justement, je joue au contraire. Je me dis, bon, j'écris quelque chose et puis je dis, bon, ça c'est peut-être très personnel, peut-être très triste, ou X, je vais lui donner une autre forme. C'est pour ça que c'est Exactement. du chimiste, t'es passé à l'alchimiste, on en parlait la dernière fois. Oui, exactement. Je suis devenu un alchimiste professionnel. Et j'aime beaucoup ce terme. Ce livre de Pablo Coelho m'a vraiment touché la première fois que je l'avais lu. Et puis, c'est Paulo, pardon. Oui, Paulo, Paulo. ouais, Paulo. Paulo Coelho, Paulo l'alchimiste. Coelho. Et alors, vas-y, Et c'était explique-nous. très révélateur. Oui, l'alchimiste, pour toi, c'est quoi l'alchimiste en toi? Tu viens un peu d'expliquer. Alchimiste, je crois qu'on est tous déjà alchimistes. Hein. Pour de vrai, quoi. On On est est des tous. transformateurs, des magiciens, on est... Ouais, chacun quand on transforme sa vie comment on peut, comment on veut à la fin. Il y en a toujours, de toute façon, chez l'être humain, je pense qu'il n'y a pas de. Parfois, les gens disent oui, parce que tu fais ci, tu fais ça, et puis tu es plus branché dans l'artistique, donc tu peux toujours creuser d'une manière plus facile dans tes pensées. Et puis, en fait, non, on le fait tous. Sauf que moi, je prends la chance de dire. Je le retravaille ou je l'écris, je fais l'exercice d'écrire, donc je le fixe. Et ça me permet justement de le faire évoluer. Mais tout le monde autour de monde a ce genre de pensée. Tout le monde le fait, mais il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des alchimistes. Oui, exactement. Et ça, Ouais. c'est triste parce que parfois les gens ils pensent que Parce voilà, un artiste va être. on est tous artistes. Quand tu dis on est tous alchimistes, Armando, on est tous artistes. On est tous C'est pas une artistes, question de oui. métier, c'est une question de qu'est-ce que tu fais avec la vie. Exactement, T'en penses exactement. ça? Et la vie, il faut bien la gérer. Donc, et voilà, on fait tous, je pense, pas mal de permutations parfois dans notre vie, justement, pour pouvoir y arriver à où on veut. Donc, à la fin, c'est ça. T'es ton propre maître qui mélange tes composants pour dire, bon, maintenant, je veux faire ci, je veux faire ça. Cette voie, je le coupe, je veux me diriger de l'autre côté parce que ça ne me plaît pas, ça me correspond. Et puis, on fait des choix. Donc, on crée des formules, on les applique, on voit si ça marche ou pas, et sinon on réessaye. Donc,
L'alchimie est venue. L'alchimie, d'ailleurs, quand je t'entends, j'entends le chimiste et l'alchimiste en même temps. Parce que Oui. quand je t'entends, tu vois, tu as fait de la chimie, après, tu es devenu comédien. Il y a une continuité. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, qui, en plus, est polyglotte, qui vit aujourd'hui dans un pays qui n'est pas le tien. Il y a une continuité. Ce n'est pas comme si tu virevoltais, tu fais table rase du passé. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette idée que on a plusieurs facettes? Qu'est-ce que tu en penses? On a plusieurs facettes. Bon, déjà, ce que tu disais par rapport aux langues, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, depuis ce très joli et très long parfois confinement, voilà, qu'on a tous vécu, qui nous a mis tous au même niveau, voilà, c'est pas quelque chose que je crois que c'était quelque chose de nécessaire, que ça va nous donner pas mal de bonnes choses. Pas d'ici maintenant, d'ici à 1 an, à 2 ans, il faut qu'on laisse les choses se poser tranquillement, et puis dans chaque personne, je crois qu'il va en avoir une force pour Une alchimie, là. exactement. Et là, on a eu du temps justement pour revisiter nos formules. Donc voilà, exactement. On réécrit nos formules. Depuis la gravité même, voilà. Et puis c'est très intéressant les facettes de comment tu te. Moi, que je pense la plupart du temps, maintenant, depuis le confinement, c'est pour ça que je le mentionnais. Oui. J'ai repris un peu mes sources parce que je me sentais assez troublé dernièrement. Et puis Oui. quand je, même je, par exemple, quand j'écris des chansons, j'écris naturellement en anglais, mais ça me demande toujours un petit boulot derrière, justement, de concrétisation, de finition. Et il faut que je m'en serve toujours dans le dictionnaire, ou il faut que je regarde. Donc il y a toujours un travail plus technique derrière, en creusant sur les sentiments que j'ai en moi, qui me permet d'écrire ça. En anglais, parce que c'est pas ta En langue. anglais, D'accord. Mais tu as ce exactement. besoin d'écrire en anglais. Et en même temps, ça te demande un travail linguistique précis de détails. Ouais. Et avec le français, Ouais. ben, je considère que je m'exprime mieux maintenant qu'en anglais, Ah mais j'ai vraiment parfois du mal à écrire parce que parfois, moi, j'ai appris le français en parlant. Après, j'ai commencé à lire et puis j'ai commencé Ah, t'as à pas faire pris mes de recherches. cours? Bon, je crois ben, légèrement au lycée, mais Ah ouais, t'étais je me entouré suis des planté langues. à Bordeaux. En fin janvier 2013, X, et puis il fallait me trouver un boulot parce que j'avais essayé de changer de vie, c'était une nouvelle vie, un nouveau pays. Et puis je ne faisais pas la différence entre tutoyer et vouvoyer. Donc pour moi, à partir de 13 Wow. personnes singulières, c'était territoire inconnu. 2013, attends, 2013. 2013, Non, alors 2013. Et je c'est. tiens le dire officiellement, je tiens le dire officiellement, tu es un surdoué des langues, parce qu'en fait, tu es un comédien des Oh langues. non! Oh là là. Bah, tu Merci peux dire beaucoup. non, non, non. C'est ça? T'as enregistré? Tu es un surdoué des langues, je peux le dire, je suis prof de langue. Ouais, bon, merci Non, tu beaucoup. as un Mais don, je me tu as un don, considère. mais qui va avec ton caméléon linguistique, comédien? C'est incroyable. Et voilà. Je ne pense pas que c'est un don en soi-même. C'est quelque chose que je suis curieux de base et passionné. D'accord. Et après, je. Bon, déjà, c'est une question de survie. Quand j'ai voulu jouer en français à. J'ai dû faire de mon mieux justement pour pouvoir essayer de cacher mon accent. Et puis, donc, voilà, mais ça m'a pris de temps, ça m'a pris pas mal de larmes parfois quand je réussissais pas. Et puis, mais c'est un apprentissage, c'est comme si tu te mets devant le bouquin et tu dis, bon, dans 2 semaines, j'ai un examen et puis il faut que je le fasse, donc tu le fais. Wow, ben Et c'est c'est en faisant attention justement à comment les gens parlaient autour de moi et moi je les écoutais et je oui. disais, ils font comment? Pour moi, le plus important, c'était comment il plaçait la langue, la mâchoire, l'œsophage, bon, tout, quoi, pour pouvoir faire vibrer de cette manière, voilà, surtout les voyelles françaises, je pense, c'est les plus difficiles. Oui. Et ça démarrait sur un jeu auquel moi je jouais tous les jours, depuis que je me réveillais. Donc c'était OK. Le jeu français, la vie française, l'aventure française, l'American Dream, the French Dream. Donc on y va, on plonge. Et puis là, Wow. j'ai commencé, je faisais par exemple, moi je me souviens à l'époque, je mettais la radio depuis que je me réveillais. C'était la Ouais. première chose quand j'étais tellement endormi, et puis tu dis, la première chose, parfois ça me gêne beaucoup le bruit depuis que je me réveille. Ouais. Mais c'est une manière de activer mes neurones pour dire, en fait, l'exercice c'était, j'allumais la radio Ouais. pendant que je préparais mon petit-déj. Ouais. Je répétais sans arrêt, même si je ne comprenais pas ce que j'entendais dans la radio. Ah bon? En Donc, instantané comme ça, là, tu répétais? en instantané, c'était oui, aujourd'hui, on est là, et les blagues, et tout, je ne comprenais rien, la plupart du temps. Waouh, c'est ça ta technique, mais c'est incroyable.
Et là, je disais, bah, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais en fait, je ressens qu'il y a un petit clic dans ma tête. Qui va se faire, qui va se Mes faire. mots, mes mots. Il y avait des syntagmes que je pouvais reconnaître aussi Oui, bien sûr. dans les phrases C'était ton des gens. Et immersion. puis, C'était ton immersion. En plus, dès le matin comme ça, tu sors ouais, direct. exactement. C'était bam, plongé plein dedans. Et puis, au bout d'un mois et quelques, je commençais à ressentir justement que ah, il y avait un truc qui se passait. Et justement, même les gens autour de moi me disaient. Oh, mais vous êtes, ouais, vous discutez, vous avez un léger accent, il vient d'où? J'adore toujours jouer aux devinettes. Donc, ah, je vous laisse deviner. Et puis, personne n'a jamais dit dans les trois options que je lui ai données d'où je venais. Donc, le plus bas que les gens m'ont donné, c'était Bordeaux, Landes, vous êtes basque, non, Pyrénées, mais non, ça sonne, ben, je ne le ressens pas trop. Et puis, je disais, bon, il faut vraiment traverser les Pyrénées, justement, pour se trouver. Non, mais là, on traverse les Pyrénées, on arrive à l'Espagne. Je dis, bah, ouais, justement, soyez espagnol. Ah, maintenant, quand vous me dites Parle espagnol, parle espagnol, vas-y, parle même espagnol. quand Continue, continue. cuando les hablaba en español, de repente, pues, quiero decir, yo no voy a hablar el español, como puede hablar un francés, qui peut dater las cosas, y puedo hacer incluso los falsos amigos para poder. Mais là, t'as un accent français, là. Tu parles espagnol. Exactement, je Ah, parle voilà. espagnol depuis ma voix française. Génial. Qui Vas-y, résonne. continue. Vas-y, attends, En je vais fait, réécouter. moi je pense, pienso que. Yo cuando hablo el español, por ejemplo, yo lo siento en el pecho. Tu peux parler l'espagnol depuis... Ça parle... Vas-y, fais la Le traduction, je plexus parle pas espagnol. solaire. Ouais. Yo lo siento en el pecho. Quand je parle le français, c'est à vivre, vraiment. C'est pour ça que moi, si je veux parler le français avec l'accent espagnol, pour moi, il faut que. Il y a un truc qui se déplace, il y a une énergie qui descend et qui se place au plexus. Et c'est là où tu dis, voilà, il y a un accent qui ressort, il y a quelque chose qui vibre un petit peu plus en bas. Et que ça, justement, chez moi, hein, c'est pas mathématique, mais chez moi, ça fait ressortir un accent qui est plus bas. Et en mélangeant avec les lèvres, avec un petit peu, ça donne justement un accent différent. Tu peux faire un exemple juste si tu faisais Mais, l'effort, si tu enlèves ton accent français, parce que je sais que tu as un... Si... J'enlève. Ouais, maintenant j'ai du mal parfois. Donc si je parle le français avec l'accent espagnol, ben, ça donne ça. C'est quelque chose qui vibre un petit peu plus en bas. Et D'accord. les voyelles, par exemple, sont beaucoup plus ouvertes. Et après, il y a toujours ces petits défauts de langage. Parce que nous, on n'a que cinq. On a A, E, I, O, U et point basta. Ouais, mais Et nous, c'est les là. Français, ils ont justement. Et puis, c'est toujours, tout est placé beaucoup plus bas. Ah ouais? Voilà. Quand tu commences à remonter le français qui arrive, justement, où moi je le ressens, pour moi, le français, c'est la bouche, c'est les lèvres, c'est l'œsophage, il y a quelque chose qui vibre un peu derrière, pas vraiment devant, mais le jeu se joue justement voilà, dans cette direction, Ouais. C'est depuis pour les ça que lèvres les jusqu'à. Français, ça se passe aussi au niveau des lèvres. Tu peux les repérer, Oui! entendre. Tu vois la bouche, tu dis c'est des Français, eux. Et si oui, il pense toujours à la petite bouche comme ça. Ouais, donc. Et puis par contre, l'anglais, c'est. Oui. Moi, je le trouve. Après, peut-être que je suis en train de changer. Peut-être que je ne serais pas capable de le faire. But when Yeah. I'm talking in English, I think the accent it's a little bit higher. It's more nasal, if you want, depending on the accent you have, or you are more British or more American. But there's always here. It's something that is vibrating in between the nose and here on the forehead. I It's agree. the zone. And actually, c'est très intéressant. Oui. Quand je pense ou quand je parle en anglais, moi, je me trouve, par exemple, j'adore travailler en anglais. Moi aussi, Beaucoup plus. I love it so much. I'm a different person. Vas-y, je te laisse parler. Exactement. Beaucoup plus qu'en français, qu'en espagnol. Parce que c'est. Je sais pas, je pense que c'est un langage plus ciblé, plus concret. Ah, vas-y, Après, explique-moi, travailler en français versus travailler en anglais, versus travailler en espagnol, explique-moi ton ressenti. c'est en ressenti, c'est dans la manière dans laquelle la langue ressonne en moi, et puis surtout depuis le départ, ce que je fais avec la langue aussi. Au départ, bon, l'anglais pour moi, c'est le fun, non? Tu écoutes une chanson, tu essayes de chercher des mots, tu regardes un film. Moi, hors de question que tu me donnes un film doublé, moi je veux toujours le regarder en VO, donc ça te demande déjà de. Voilà, donc plus tu plonges, et voilà, je regardais des films sur quelque chose
c'est quelque chose de poétique, de rêveur. Ah, du coup, ça te met dans cette mood, le mood poétique anglais? Exactement, mais en même temps, c'est hyper court. Et Monosyllabique, hein? Il n'y a pas de déclination, il n'y a pas des verbes, donc c'est tout. Pap, 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 pap. Donc, moi, ça me met dans un état d'esprit, justement, où c'est un peu. J'adore travailler. En français, c'est quoi la sensation chez toi? Alors, travailler en français, ou par exemple, moi, ça m'a mis un peu de temps, justement, à pouvoir ressentir le français en moi. C'est quelque chose qui passait quelque part dans mon corps, qui passait la tête, les bras. Donc, parfois, voilà, on ressent quelque chose. Mais ça traversait mon esprit, ça m'imprégnait. Mais ça m'a pris un petit peu de temps. Au départ, c'était un peu frustrant, justement, de dire, bon, je crois que j'envoyais des messages vocaux à mes amis. Et je disais, alors, dis-moi si je le bug dans les syllabes ou est-ce que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait que je dise. Non, 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 c'est bon, fais attention avec ci et ça. Et je disais, bon, en fait, je l'ai, j'ai le texte, mais ça passe nulle part. Je me sentais faux. Et bref, il faut laisser toujours justement les langues se poser en toi. Et quand tu joues en espagnol alors? Et moi, quand je joue en espagnol, c'est la merveille. C'est, je sais pas, tout sonne d'une manière tellement différente. Et puis, c'est une langue hyper riche et c'est une langue très touchante pour moi. Après, c'est ma langue maternelle, qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'adore l'espagnol. Mais parfois, on a besoin aussi de s'éloigner un petit peu. Voilà, justement, d'être sûr, c'est pour dire maintenant, je vais expérimenter, je vais essayer de faire, je vais apprendre une nouvelle langue. Toi et moi, on avait commencé l'allemand et toi l'espagnol de chaque côté. Et puis voilà, tu vois, notre chose à rajouter sur notre CV d'expérience de vie, toi et moi. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai hâte justement de pouvoir commencer à apprendre notre langue. Mais il faut qu'il y ait il faut que j'aille une certaine empathie. Il faut que je trouve justement quelque chose qui m'attire vers cette langue. Et que même, voilà, c'est toujours difficile de commencer à apprendre une langue, mais voilà, il y a un truc que tu dis, bon. Une attraction, quelque chose. Et là, ouais. Ce serait quoi les langues une langue qui te parle? T'en as pas une encore qui t'a demandé? Je voudrais apprendre le portugais, l'italien et l'allemand, franchement. C'est quelque chose que j'adore la culture italienne, j'adore la culture portugaise. Je connais pas trop la culture allemande, mais j'adore écouter l'allemand par exemple, parler, et puis il y a quelque chose de très chanté et chuchoté en même temps. La structure de la grammaire allemande est incroyable, et surtout pour quelqu'un polyglotte comme toi, d'expliquer que là, quand tu me parles des langues, j'ai vraiment l'impression que tu me parles aussi de ses rôles en tant que comédien, et que dans chaque langue tu es un peu une autre personne. Est-ce que ça me fait rebondir sur le sujet que je voulais aborder avec toi, sur l'authenticité? Comment on fait quand on est pluriel comme ça? Tu sais, on est capable d'être pluriel, d'aller expérimenter telle ou telle voix, telle ou telle langue, telle ou telle personnalité. Et l'authenticité dans tout ça, est-ce contradictoire? En vrai, tu peux tout faire dans ta vie en n'étant pas authentique. Mais tu n'auras pas de plaisir. Flippant, hein. Tu peux tout faire, hein. Tu peux finir tes jours en n'étant pas authentique, et puis tu peux en étant faux, en étant pas ligne. De A à Z, ouais. Je me dis, mais comment est-ce que je peux expliquer ma singularité dans ce côté très multicolore et une grande palette de peinture, quoi. Comment tu peux dire c'est moi, c'est toute cette palette? Trouver l'unité dans tout ça. Toi, t'as réussi à trouver l'unité. Parce que t'es plurisingulière. On vient d'inventer un mot, plurisingulière. Plurisingulière, ouais. Les plurisinguliers. Je suis plurisingulière, tu es plurisingulier. Le plurisingularisme. Le plurisingularisme. Voilà. Plurisingularisme. Et alors, du coup, Armando, j'allais te poser une question. Pendant ce confinement et ce déconfinement, comment as-tu vécu ton plurisingularisme? Et moi, vraiment, j'ai eu du mal à me déconfiner. De toute façon, ma nature, c'est moi, je suis
créé pour optimiser mon temps, mon espace, mes énergies. Donc, moi, j'ai trouvé tellement de bonheur à être protégé dans mon petit cocoon où je faisais tout ce que je voulais. J'ai trouvé les moyens de faire tout ce que je voulais, mais en restant chez moi. Et quand justement, voilà, et surtout le plaisir que j'ai pris à entendre les oiseaux à l'extérieur, voilà, avoir moins de bruit, je sais pas, d'une certaine manière, tout s'était calmé, et puis je pense qu'on en avait tous envie. Bon, je parle de moi, mais il y a pas mal de gens justement qui me disent, bon, l'effet d'être enfermé chez toi, c'est pas sympa. Justement, d'avoir ce petit moment pour te dire, voilà, maintenant que tu as de temps, est-ce que tu vas vraiment saisir l'opportunité de faire quelque chose avec? Et puis, ça a été d'une certaine manière magique. J'en ai appris beaucoup sur moi-même, Ah bon? justement, sur mes états de comment je peux passer de. Ouais. Déjà, sortir, ça m'a manqué beaucoup parce que j'avais envie de sortir. J'ai vraiment essayé de faire des courses une fois par semaine, voire plus. Je remonte quoi, chaque 10 jours. Mais au bout de moment, je dois admettre que j'ai dû faire du sport, par exemple, me dire, si j'avais eu un chien, j'aurais baladé 3-4 fois par jour, je sais pas. Mais bon, de trouver une excuse pour dire, même si c'est 10 minutes, mais Sortir. sortir de l'appartement, je sors faire un tour, et puis après je rentre parce que l'être humain n'est pas fait pour être enfermé, quoi. Comment les gens font dans leur prison, là, Ouais. ça peut te rendre Du coup, fou, toi, tu as quoi. communiqué avec qui? Avec les écrans et avec tes cahiers, parce que tu m'as montré tous les cahiers que tu avais. Mes cahiers, j'ai pris pas mal de temps justement voilà, à écrire énormément, à dessiner, à peindre, à voilà, entamer des nouvelles recherches dans ma vie. Voilà. Et puis, ça a été vraiment riche. Mais comme j'avais plus de temps aussi, parfois on plonge tellement dedans et on enchaîne pas mal des activités différentes qu'au bout d'un moment, ma tête explose. Overdose, hein, on est Moi, d'accord. j'avais exactement, c'était, je vais me faire un burn-out, mais chez moi. Un burn, Je serai le premier, quoi. ça s'appelle. Un burn-in, ça s'appelle. Ça fait la morning. Pour de vrai? Je sais pas, je dis. Ah, on vient d'inventer un autre mot. Le morning. Un C'est un peu. burn-in en plurisingularité. Bon, ben mince alors. Voilà, exactement.